Coucou tout le monde, c'est Loénie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter des nouveaux cadeaux qui sont offerts de la part de Disney Dreamlight Valley pour fêter l'automne. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue la mise à jour et les nouveaux événements. Et aussi, si ça vous intéresse, si vous souhaitez venir partager votre déco, Dream Snaps, ou si vous rencontrez quelques soucis avec le jeu, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On est là pour vous accueillir et pour vous aider. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc il y a eu un tweet de la part de Disney Dreamlight Valley samedi soir. Donc je m'excuse de pas avoir fait la vidéo plus tôt, mais en fait on était en live 24h sur Twitch, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Et il disait célébrer le premier jour de l'automne avec des articles automnaux. Utilisez le code Autumn Bundle que je vais vous écrire juste ici pour préparer votre valet au prochain défi Dream Snap sur le thème de l'automne. Donc il se peut au final que peut-être mercredi là ou mercredi prochain, le prochain thème Dream Snap soit un thème sur l'automne. Et du coup par rapport à ce code, on va falloir le taper dans le jeu pour récupérer les objets. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas comment rentrer un code, quand vous avez des codes comme ça, en sachant qu'il y en a d'autres normalement qui sont encore valables, vous allez dans votre page ici, vous allez dans paramètres, ensuite vous avez ici aide et ici vous avez code d'échange et du coup vous tapez le code que je viens de vous dire. Donc vous le tapez en majuscule, pas d'espace, rien du tout, et vous faites récupérer. Bon, moi j'ai déjà récupéré, donc vous faites ça et après vous allez avoir un nouvel objet dans votre boîte aux lettres. Et voilà la lettre. Du coup, joyeux premier jour d'automne, amuse-toi à décorer ta vallée avec des items gratuits, n'oublie pas de les utiliser dans tes Dream Snaps hebdomadaires cet automne. Donc peut-être que voilà, on aura un thème automne très bientôt. Et vous avez ces quatre objets là, enfin quatre objets mais il y en a deux en deux exemplaires que l'on a déjà en fait depuis le début du jeu. C'est des crafts de base et du coup là ça nous fait économiser les ressources, c'est plutôt sympa, mais je suis un petit peu quand même déçue parce que j'aurais aimé voir des nouveaux objets sur le thème de l'automne. C'est une des saisons que j'aime beaucoup et les couleurs sont très jolies. C'est sympa de leur part d'avoir des nouveaux objets quand même pour fêter l'automne. Et une fois posés dans le jeu, ça donne ceci. Ils sont vraiment très très jolis pour le coup. J'aime beaucoup, surtout là, ici, le seau de fleurs et puis surtout la banderole automne qui est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre dans la vallée et n'hésitez pas du coup à les récupérer. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu récupérer du coup ces 4 nouveaux objets avec le nouveau code donné. Alors moi je suis un petit peu déçue parce que du coup c'est des items qu'on a déjà dans le jeu, qu'on pouvait crafter. Donc oui, d'accord, on économise les coûts de craft, mais je m'attendais peut-être à des nouveaux meubles pour fêter l'automne, ça aurait vraiment été sympa. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous laisse aussi venir me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!